Le sous-vêtement, ensemble du linge porté par la femme et l'homme en dessous de leurs vêtements, obéit à des mesures d'hygiène que beaucoup peinent à observer fort malheureusement. Plusieurs, par exemple, ignorent comment entretenir, faire sécher un sous-vêtement ou combien de temps faut-il le porter. En ce qui concerne les sous-vêtements, c'est un tissu en coton. Quand elle lave, normalement, on les étale dehors et après avoir été, elles doivent repasser avant de les porter. L'hygiène des sous-vêtements rentre dans l'hygiène liée aux appareils génitaux, donc c'est des questions d'intimité, que ce soit la femme ou l'homme, en temps normal en matière de sous-vêtements. C'est la partie la plus sensible du corps. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, en temps normal, un sous-vêtement devait être lavé, je dis bien lavé au savon. À un certain moment même, c'est important de mettre quelques gouttes de Javel pour essayer d'atténuer, de tuer les microbes. Et puis, j'insiste sur la notion du repassage. Mais je parle bien de la qualité du tissu. Donc, il doit être séché, non pas dans la maison, mais au soleil, pour qu'il prenne un coup de soleil. L'inobservation de ces mesures d'hygiène peut entraîner des conséquences fâcheuses chez l'homme comme chez la femme, parmi lesquelles les infections génitales, dont vulvo-vaginale pour cette dernière. Sans oublier que pour celles qui allaitent, leurs enfants sont exposés au risque de contracter certaines maladies liées au non-respect du délai du port d'un soutien-gorge. Chez les femmes allaitantes, elles doivent normalement avoir plusieurs soutiens. Maintenant, quand elle sait qu'elle allait être son bébé, elle doit même changer son soutien deux fois par jour. Parce qu'avec les chaleurs que nous constatons là, elle doit changer son soutien deux fois par jour. Parce que quand elle allait, parfois il y a des gouttes du lait qui tombent. Et quand ça tombe là, par contre, elle transpire. Elle reste avec le même soutien, par exemple, toute la journée. Ça peut lui provoquer des infections, telles que les crevasses, des infections qui se manifestent au niveau de l'arrière, donc autour du sein. Si on ne repasse pas un sous-vêtement, on court le risque, bien entendu, de transmettre à son corps des microbes liés à l'environnement, parce qu'au niveau du sous-vêtement, il y a parfois des champignons qui sont là, qui ne se font pas voir à l'œil nu. Aussi banal que cela puisse paraître, l'ignorance ou l'inobservation de ces mesures d'hygiène constitue un véritable problème de santé publique, dont la réparation des dégâts est parfois difficile en cas de complications. Aussi, l'insertion des notions d'hygiène dans les programmes d'éducation en matière de santé de la reproduction est salutaire pour la bonne santé de la population.